Je sais pourquoi il faut des enfants. Mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Je dois reconnaître que Fontaine a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Les bottes des protecteurs doivent être livrées ici, pas à la bibliothèque! Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail? Le protecteur sent vraiment très... très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution. Mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. La guerre est une chose terrible. Les Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville. Mais pas Souchong. Souchong avait de l'opium premier choix. Aurais-je fait des erreurs? On ne bâtit pas une ville si l'on est guidé par le doute. Mais peut-on gouverner dans une absolue certitude? Fontaine est un salopard doublé d'un monstre, et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur. Fontaine est mort. C'est mauvais pour Fontaine, mais bon pour Souchong. Si je me fais désirer,